Non, mais ce qui est compliqué, c'est qu'on joue souvent à 10. Donc on se fout dans la merde tout seul. On dit les choses et ça rentre pas. Donc c'est compliqué de gagner des points à 10. Après, même à 10, on se crée des occasions. On n'est pas juste dans le dernier geste. Et ce qui est dommage parce que ça fait 3 semaines qu'on n'avance pas et qu'on perd des points. Mais ouais, mais à 19e, à partir de la 20e, jouer à 10, c'est... Ça casse la tête, voilà, de courir à 10 et de faire les efforts. On fait les efforts, mais et on se crée des occasions parce que je pense qu'on a poussé en deuxième mi-temps, mais on n'arrive pas à mettre ce but. Et pas désabusé, c'est qu'on a perdu et que Toulouse ont pris des points et on va dire qu'ils ont décollé un petit peu. Donc voilà, il va falloir prendre des points très vite. Et arrêter de prendre des cartons. Ouais, on sait qu'il y a des matchs encore à jouer, mais il en reste 8 ou 9, donc il y a des points à prendre. Après, il faut prendre des points, il ne faut pas commencer à calculer, il faut jouer les matchs les uns après les autres. Et il y a encore un peu de temps, mais ça commence à être urgent. Non, mais après, c'est qu'on fait des fautes un peu bêtes, et on se fait punir. Après, j'ai pas vu les images, mais... Je pense qu'il doit y avoir carton rouge. Donc voilà, on se fait punir, on joue à 10. Déjà qu'à 11, c'est pas facile, alors à 10, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il va falloir continuer et prendre des points sur les prochains matchs. C'est la vie que j'ai, oui et non, parce qu'on a même eu des situations à 10 contre 11. Après, c'est sûr que c'est plus facile de jouer à 11 contre 11. Mais malgré ça, j'ai eu l'impression qu'on aurait pu faire quelque chose aujourd'hui. On était mieux physiquement que Toulouse, même à 10 contre 11. Après, on a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de force sur le terrain parce qu'on a énormément couru. Et je pense que ça s'est ressenti dans nos choix, dans nos avant-dernières passes et nos dernières passes. C'est jamais facile de perdre et d'enchaîner les défaites. C'est plus facile de gagner des matchs. Maintenant, on n'a pas le choix. On est un petit peu dans le dur. Il faut qu'on reste concentré et tous solidaires jusqu'au bout. Parce que c'est pas terminé, même si on a 7 points d'avance, il faut quand même se méfier un petit peu et essayer de prendre des points le plus rapidement possible. Après, tu dis qu'on est sur 4 matchs consécutifs de perdus. Ça fait 2 d'affilée où on est réduit à 10 contre 11. Là, aujourd'hui, on a pris un rouge avant la 20e minute, donc forcément, c'est un petit peu plus difficile. Mais voilà, je te dis, il faut qu'on reste tous ensemble. Non, je suis triste. Je suis triste, je suis pas abattu, je suis triste. On va pas se laisser abattre, je te l'ai dit, on va rester focus jusqu'au bout et on va tout donner, comme on a tout donné aujourd'hui. On a pas d'autre choix de toute façon, mais oui, je suis triste parce qu'on perd et qu'on n'est pas dans une bonne spirale, donc ça me... Non, je suis pas heureux. C'est pas si on grille un joker, parce que c'est pas non plus... on partait pas favori sur ce match-là, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a raté une opportunité de se mettre presque définitivement à la pluie. Ouais, après, je vais te dire une phrase bateau de footballeur, on va prendre les matchs les uns après les autres. Et regardez, on va pas regarder les matchs qui vont arriver, mais on va prendre chaque match et puis essayer de donner le maximum pour aller chercher des points très rapidement.